Et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir, pour vous distraire, Maureen Dore, Annie Lemoine, Gérard Miller, Jean-François Derecq, Perry Cochat et Arnaud Gidois. Gérard, je voudrais qu'on commence par une question importante, Gérard Miller. Vous me répondez oui ou non. Est-ce que vous savez défaire les nœuds? Oui. Essayez. Ah non. Ah non. Oui, il est fou. Alors Gérard, allez-y, enfin. Non mais vous me mettez au défi. Oui. Ils sont fous, ma parole. Attendez, moi je veux bien détendre le téléspectateur, mais tout de même. Là, vous le tendez plutôt. Fais-moi, fais-moi confiance. Je vais me faire très vite, très bien. Gérard, c'est pas un paquet cadeau. On va passer tout de suite à la photo du jour et à l'actualité. La photo, c'est celle de Saddam Hussein, apparue ce matin sur toutes les télés pour nous montrer que malgré les bombardements américains de cette nuit, il était toujours vivant. Enfin, il en a l'air, manifestement. Saddam Hussein, on n'est pas sûr, évidemment, que ce soit lui. C'est peut-être un sosie aussi, comme on n'a pas de nouvelles de Jean Benguigui, ni d'Omar Sharif, ou même de Roland McDan. Il peut tout aussi bien s'agir d'un intermittent du spectacle, on ne sait pas. Gérard? Ben non, moi je vais essayer de détendre l'atmosphère. Je pensais que tu serais venu en tenue kaki, parce que comme ça j'aurais pu faire le premier jeu de mots de la guerre, si vous permettez Laurent, avant même que vous le fassiez vous-même, tu serais venu en kaki mini. Kaki mini. Ici en kaki. Annulez-moi un commentaire. Ouais, sentiment d'impuissance, de culpabilité. J'imagine le dialogue de Bush-fils avec Bush-père. Bush-fils, l'homme mononeuronal, disant au père, ça y est, moi aussi je l'ai ma guerre. Je trouve ça épouvantable. La guerre du Golfe numéro 2 a donc commencé cette nuit, mais Saddam Hussein avait été prévenu, puisque toute la soirée, hier sur France 2, Michel Drucker et Zinedine Zidane n'ont pas arrêté de répéter à votre bunker, messieurs, dames. J'espère qu'ils ont récolté en tout cas de nombreux dons pour l'association ELA, dont Zizou, Zinedine Zidane, est le parrain. Les Américains n'ont donc pas attendu, en tout cas, pour ouvrir les hostilités, malgré les protestations de la France, entre autres. Et aujourd'hui, à Paris, s'il n'y avait les radios et les télés qui couvrent l'événement, vu le soleil, l'ambiance, on ne pourrait s'imaginer qu'une nouvelle guerre a éclaté. Sauf peut-être ce petit détail qu'auront remarqué certains Parisiens passant pont de Grenelle ce matin. C'est pas vrai. Oh. Gérard? Donc, ce qui est terrible, c'est qu'on est évidemment de l'avis là de Chirac, il faut que cette guerre soit courte. Mais une guerre courte, ça veut dire une victoire rapide. Et c'est vrai qu'on ne sait pas qu'est-ce que serait exactement la victoire dans cette guerre-là. C'est ça qui est terrible. Parce que bien sûr que la chute de cette... traverse le... Attendez. Moi, je veux bien qu'on fasse des échanges d'otages entre ce côté-ci et ce côté-là. Mais faut observer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut revenir par là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dévoue? Vous pouviez passer... Non, il n'y a pas de raison. Il faut garder l'équilibre dans ce studio. Voilà. Voilà, la guerre a commencé. Il faut quand même qu'on se méfie en France. Comme Jack Lang, souvenez-vous, s'est proposé ici même comme bouclier humain. Les Américains sont bien capables de venir bombarder Boulogne-sur-Mer aussi, en plus, non? J'irais bien, mais pas à Bagdad, plutôt à Saint-Tropez ou un truc comme ça. Autre photo, celle du pape Jean-Paul II, qui d'après France Soir et le quotidien Europa, s'est violemment mis en colère contre Silvio Berlusconi et Tony Blair, qui, vous le savez, sont favorables à la guerre. Face aux chefs d'État italiens et aux Britanniques, aussi le pape aurait usé de paroles et de gestes, nous dit la presse, à la limite de l'incident diplomatique. Le souverain pontife aurait même, nous dit-on, passé un savon d'une rare violence en frappant du poing sur la table face à Silvio Berlusconi. L'avantage du pape, c'est qu'en plus, il peut dire « nom de Dieu » en plusieurs langues. Autre photo, on change de sujet, photo du virus asiatique responsable de l'épidémie de pneumopathie aiguë qui fait peur, vous le savez, à l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est ça, le virus. Alors, c'est pas rassurant quand on sait que ça fait des mois qu'on nous montre les photos de Colonna ou de Ben Laden et qu'on les a toujours pas retrouvées. On se dit que c'est pas à partir de ces deux photos du virus qu'on va réussir à l'arrêter lui non plus. Hein. Autre chose maintenant, avec la photo du mari de Lolo Ferrari, en liberté sous contrôle judiciaire depuis hier, après 1 an et 20 jours d'incarcération pour meurtre présumé de son épouse. Pour sa défense, on peut dire qu'il avait quand même fait poser 2 airbags sur sa Ferrari pour éviter l'accident.
faut quand même rappeler que c'était son mari et son impresario à Lello Ferrari en même temps. C'est pour ça qu'il voulait qu'elle ait de gros seins. Il avait droit à toucher que 10%. Faut peut-être venir. Ça, c'est sûr que votre mari ne sera pas accusé de la même chose, Péria. Du sport maintenant. Avec du football, et l'élimination du club d'Arsenal hier soir contre Valence en Ligue des Champions. Il faut dire qu'avec trois Français comme Pires, Wiltord et Thierry Henry, c'était foutu d'avance. Même au football, on est pour la paix. Alors c'est pas un Arsenal français qui va gagner contre l'Espagne pour faire plaisir aux Anglais. Ils n'ont pas de chance quand même, hein, les footballeurs français en ce moment. Même dans un club anglais, ils perdent. Hein. Wiltord, Pires, Thierry Henry, c'est quand même aussi trois joueurs de l'équipe de France de football. Il hein. ne faut pas oublier de le dire. Donc, ils ont perdu combien, 2-1, je crois, c'est ça? Ils ont perdu 2-1. Hein. Et un match nul aurait suffi pour qu'ils soient qualifiés. Mmh, oui. 2-2 ou 1-1, même 3-3, ça aurait suffi. Marché, et là, c'est 2-1. Gérard, quand vous parlez football, arrêtez, franchement. Non, non, c'est bien, c'est bien. Je peux vous dire, par exemple, mais qui le sait sur ce plateau, que Wiltord, c'est le numéro 11. Vous ne pouvez pas me condamner pour malapsus. Wiltord, c'est le numéro 11. Et il jouait où avant Wiltord? Wiltord, avant, jouait au football. Exactement. Un invité, Sean Mamie. C'est l'un des ambassadeurs du rail en France. C'est en quelque sorte le petit frère de Raled et l'aîné de Faudel. Son album Delali, sorti en juin 2001, a connu un grand succès. Il avait de nombreuses dates prévues, mais elles ont toutes été annulées à cause de la guerre du Golfe numéro 2. Il va nous rejoindre sur ce plateau, mais attention, pas de blague, Chem Mamie est assez susceptible. Il n'aime pas qu'on le raille. Haha, jeu de mots. Pour tester ensemble Chem Mamie, le voici. Bonjour. Bonjour. L'album sorti déjà depuis un moment, c'est Delali, le nouveau single qu'on entend déjà un peu partout, c'est Youm Wara Youm, un duo avec Samira Saïd. Oui. Ah, j'ai bien avec... dit. Oui, avec Samira Saïd. Alors, en revanche, toutes les dates de tournée que j'avais, c'est-à-dire les chorus des Hauts-de-Seine, le Zénith pour le Routard le 24 mars, tout ça vous avez annulé, Cheb. Ben oui, parce que, bon, avec cette guerre, on n'a pas le... On n'a pas envie de chanter ou de... On n'a pas le cœur à ça. C'est dur de faire la fête ou de faire des concerts. Alors, avec cette guerre, c'est... Vous aviez... Avec cette guerre injuste. Vous aviez d'ailleurs déjà été victime indirecte. Évidemment, c'est beaucoup moins grave que les victimes qui étaient là-bas en Irak. Mais victime indirecte de la première guerre du Golfe, puisqu'à l'époque aussi, vous aviez dû, je crois, être un peu plus absent des plateaux télé. Peut-être contre votre volonté, d'ailleurs. C'est vrai, c'était contre ma volonté parce que, bon... Il y a beaucoup d'organisateurs qui ont annulé les concerts. Il y a beaucoup d'animateurs qui n'ont pas voulu passer mon disque ou le rail, tout simplement. Ça, c'était en 80... ils étaient contre tout ce qui était oriental. C'était en 91. C'était en 91. À l'époque. Alors là, ça change. Mais là, c'est... La situation n'est plus la même, puisqu'il y a certains pays européens, évidemment, dont la France, qui sont évidemment contre cette guerre. En 91, parce que c'était... Saddam était l'agresseur. Voilà, il envahissait le Koweït. Voilà, exactement. Et vous étiez avec le président Chirac, il y a un peu, lors de son voyage en Algérie. Oui, je garde un très bon souvenir de ce voyage, oui. Parce que je trouve qu'il a eu un accueil, mais vraiment formidable, formidable. Voilà. On a vu les images des bains de foule assez incroyables. C'était une sorte de héros là-bas. Chirac, il est très, très aimé en Algérie, surtout par sa position par rapport à l'Irak et surtout par sa personnalité. Bon. Maureen. Vous êtes un des rares chanteurs de rail à avoir fait, pas vraiment une carrière, mais enfin avoir percé quand même aux États-Unis. Vous iriez chanter aux États-Unis maintenant, justement? Ah non, pas du tout, non. Même si ça fait ça fait 3 mois qu'ils m'ont proposé. Il faut que j'avais une petite tournée, mais bon, on peut pas chanter. C'est... Vous n'êtes pas chanté en ce moment sur scène. Vous avez quand même chanté dans cette émission indirectement, puisqu'on va passer un extrait du clip du single. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. C'est parti, le duo. Ça veut dire jour après jour. Jour après jour. C'est un duo, Chem Mamie, Samira Saïd, Perry Cochin. Ça, le khair.
مساء الخير. من احلى الاغاني اللي سمعتها باللغه العربيه. Vous êtes toujours sur Radio Bagdad. Non, c'est vrai. Piraté par on a tout essayé. J'aime beaucoup ce que vous faites et je trouve que les chansons qui sont sur ce disque sont merveilleuses. Elles sont pleines de poésie, pleines de chaleur et c'est ce qui se dégage de vous depuis toujours et moi j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ça qui est génial. Vous, Cheb Mami, ça veut dire Cheb, ça veut dire le jeune. C'est ce qu'en général les chanteurs utilisent quand ils sont petits. Khaled, il s'appelait Cheb Khaled et puis il a enlevé le mot. Mais vous allez garder Cheb toute votre vie? Oui, parce que Mami, ça veut dire la vieille. Non. Gérard Miller. Alors, vous l'avez à juste titre rappelé, je vais redevenir sérieux puisqu'on a commencé par l'être. Vous l'avez à juste titre rappelé, pendant la première guerre du Golfe, on a pu croire à tort que c'était le monde occidental contre le monde arabe. Et au moment des attentats du 11 septembre, on a de nouveau eu un peu ce sentiment que le monde occidental se liguait contre le monde arabe. Ce qui se passe aujourd'hui, je ne dis pas que c'est formidable parce qu'évidemment on ne peut pas se réjouir de la situation, mais il y a au moins un avantage, c'est qu'on se rend bien compte que la fracture ne passe pas entre le monde arabe et le monde occidental. Et je profite de votre présence pour dire à quel point on peut non pas transformer une mauvaise chose en une bonne, mais quand même s'en servir un peu pour rappeler à quel point il y a la possibilité effectivement de s'unir, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion. Je trouve que c'est une occasion de rappeler à quel point on peut parfaitement se retrouver solidaire dans certaines situations. De toute façon, moi, chaque semaine, quand je fais des concerts, c'est une occasion pour moi, parce que dans chaque concert, il y a des Juifs, des Arabes, des Africains et tout. Moi, chaque semaine, j'assiste à ce lien. La musique permet de la musique, exact, de réunir tout le monde, mais malheureusement, elle ne peut pas empêcher un peu des guerres. Évidemment. Voilà. Annie Lemoine. Moi, j'ai envie d'en savoir plus, c'est-à-dire que quand vous dites « il y a la guerre, rideau, je ne chante plus », je voudrais que vous disiez autre chose, vous entendre dire autre chose. Je ne comprends pas, c'est de la peine, c'est de la pudeur, c'est de la réserve, c'est du... C'est une question, chez moi, morale. C'est, en fait, là, avec cette agression, par exemple, demain, le 21, j'avais un concert. Je ne peux pas, si je fais ce concert, je ne peux pas jouer avec le public parce que je ne serai pas moi-même. C'est vrai, c'est très, très dur de chanter et de faire la fête. Je connais un seul mot en arabe, c'est Habibi, qui veut dire ma chérie, c'est ça? Ma chérie, mais on peut l'utiliser pour le féminin ou masculin. Il y a une chanson. C'est oriental. Vous signez Charles Aznavour qui s'appelle Viens Habibi. Viens Habibi, oui. Ah, c'est une chanson. Voilà, viens ma chérie. C'est la première fois depuis longtemps qu'Aznavour a écrit une chanson pour quelqu'un d'autre. C'était un honneur qu'Aznavour m'écrit des paroles. Mais il ne faut pas oublier qu'Aznavour, il a quand même un petit côté oriental. Eh oui. Il dit souvent Habibi à sa femme, Charles Aznavour? Il ne m'a jamais invité chez lui. Mais bon. Et parfois, il lui dit Sheba. Hesheba Bentoubibledi, ça veut dire que tu es la plus belle. Ah oui? Hesheba Bentoubibledi, ça veut dire que tu es la plus belle de ton village. Donc calme-toi, Maureen. C'est vrai. Cheb Mami, le nouveau single, c'est en duo avec une jeune femme qui s'appelle Samira Saïd, qui est d'origine marocaine. Marocaine. Et le duo s'appelle Youm Wara, Youm jour après jour. On va vous remercier, malgré cette guerre déclarée depuis ce matin, d'être passé nous voir ce soir. C'était avec plaisir. Merci, Cheb Mami. La technique de l'hypnose revient en force en France. Elle est même utilisée dans le cadre de la médecine et s'avère particulièrement efficace, paraît-il, pour le traitement de la douleur. L'hypnose peut aussi aider à arrêter de fumer, à être moins stressé, paraît-il, à soigner la dépression même et à résoudre les troubles sexuels. D'accord avec ça, Gérard? Pas du tout. En tout cas, Dan Bolander va nous présenter, lui, une histoire à dormir debout. Il a testé pour nous se soigner par l'hypnose. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé se soigner par l'hypnose. Ah! Qu'est-ce que c'est, hein? Assieds-toi là. Oh purée, j'ai une douleur. Ah bah, je suis docteur en hypnose. Je vais essayer de le guérir. Je vais d'abord l'endormir par l'hypnose. Voilà, vous allez vous endormir tranquillement. Oui. Ça, c'est presque fait, que personne n'y touche, qu'il ne se lève pas. Oui. Écoutez, je vous prête mon pendule. Oui. Si toutefois il se réveille, vous le réendormez. Hein. Oui. Ça lui arrive... Oh là! Asseyez-vous. Attendez, asseyez-vous. Oui. Endormez-le avec ça. Comment on fait? Parce que je sais pas. Je sais pas du tout. Moi non plus. Maîtresse, j'ai combien ma dissertation? Faut vous rendormir. Pourquoi il vous appelle maîtresse? C'est sa maîtresse d'école qui a certainement dû le choquer quelque part. Fermez les yeux. Fermez-les. Voilà. Ah oui. Voilà, ça l'endort.
Lâchez le blouson de la maîtresse. Attendez, je vais voir si le docteur n'est pas là. Lâchez le blouson de la maîtresse. Vous me le gardez. Je peux pas rester, je vous dis. Il croit que il me prend pour sa maîtresse d'école. Si tu ne lâches pas mon bras, tu n'iras pas en récréation. Le docteur miracle arrive, il l'ausculte aussitôt. Le docteur miracle, ce n'est pas un charlatan, non. Assieds-toi. Faut appeler un médecin. Ne vous inquiétez pas, je suis médecin en hypnose. Je vous endors et je vous endors. Mais ne touchez pas, surtout. Je reviens d'ici un quart d'heure. Voilà. Papa, asseyez-vous. Papa, j'ai pas pris le chocolat, je t'assure. Serre-moi fort. Oui, mon grand, oui, je te sers, oui. Oh là là, oui. Je vais partir, mon grand. Non, reste avec moi, papa. Ah non, je peux pas, j'ai rendez-vous. Vous n'allez pas abandonner votre fils. Papa. Mais vous n'allez pas abandonner votre fils. Maman. Maman. Oui, je suis pas maman. Mais ce qu'il faut prendre pour sa mère, c'est qu'il est sous hypnose. Endormez-le, qu'il ne vous casse pas les pieds, parce que moi, je suis pas facile à traire. Hein. Il se rendort. Ma petite maman, il se rendort. Tellement douce. Vous dites que vous êtes sa mère. Oui, je suis ta mère, mais laisse-moi tranquille. Depuis qu'il se tienne sage, voyez. Faut être sage, allez, sois sage, faut être sage. Qu'il s'assoie, dites-lui qu'il s'assoie. Non, c'est ma place. Je t'aime, maman. Attends, oui, tu m'aimes pas trop. Je vais l'endormir, je vais l'endormir. Oui, ça fait 4 fois que vous me dites ça. C'est bon, il s'est endormi. Prenez-le dans vos bras, faites quelque chose, hein. Il est sous hypnose, c'est pas de ma faute. Et c'est de ma faute à moi. Mais on m'a dit de pas le réveiller. Pas le réveiller, allez, foutez-moi la paix, je vais le foutre par terre, moi. Je vous explique, il a pris cette dame pour sa maman. Oui, mais il me cassait les pieds parce qu'il me tenait dans ses bras, il était raide comme un bout de bois. Quelle idée de l'avoir endormi aussi. Il se réveille pas, docteur, il se réveille pas. Maman. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le réveiller? Allez, fous-moi la paix. Maman. Tiens. Oh, maman. Maman. Alors là. Bravo à Dan Bolander et à son complice Thierry Marquet. Gérard, ça vous a été donné, ça. Oui, c'est drôle. Alors, je comprends pas, parce que juste avant qu'on envoie ce sujet, vous avez fait l'hypnose, non? Alors que vous pratiquez l'hypnose. Je pratique l'hypnose, mais pas du tout pour des raisons thérapeutiques, parce qu'on s'est aperçu justement que ça ne servait que sur des cas très précis et pendant très peu de temps. Et qu'en général, ça revenait après, comme c'était avant. On va voir si notre invité est d'accord avec vous. C'est le docteur Charles Jousselin. Il a écrit « Hypnose sur ordonnance », par exemple, chez Elébor Sainte-Vérité, pratique et application médicale, ou même de la nouvelle hypnose à l'hypnose psychodynamique. Il paraît que c'est la nouvelle forme d'hypnose actuelle. Accueillons donc le docteur Charles Jousselin. Bonsoir, docteur. Alors, vous allez avoir fort à faire, manifestement, parce que vous êtes, vous, un technicien, un praticien de l'hypnose. Attention, pas forcément et pas obligatoirement. Dans les hôpitaux où vous travaillez, je sais que c'est seulement sur demande que vous pratiquez l'hypnose. C'est bien ça? C'est toujours... je suis médecin, donc ça dépend du patient. Oui. Et l'hypnose est toujours qu'un traitement complémentaire. Mais pourquoi? Pour calmer la douleur? Ça dépend du patient. S'il vient me voir parce qu'il a mal et qu'il a cette demande, oui. Par exemple, pour arrêter de fumer, vous faites? Moi, je connais 3 personnes, dont mon mari, qui ont essayé d'arrêter de fumer avec un système par hypnose, et ça n'a pas du tout marché, mais carrément pas. Alors, répondez, docteur. On n'a jamais arrêté de fumer grâce à l'hypnose. C'est sûr, c'est évident. Alors, par contre, pour aller dans votre sens, moi, je crois volontiers, c'est que la douleur, dans la douleur, il y a un vrai facteur psychologique, et donc vous pouvez influer sur la douleur, mais uniquement sur la douleur. D'ailleurs, c'est tellement relatif, la douleur. Alors concrètement, quelqu'un vous dit « j'ai mal, je souffre », qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? La première chose, une fixation de l'attention. Alors c'est-à-dire qu'on peut fixer son attention de façon auditive, visuelle, avec la sensation, on peut... Moi, j'utilise ses mains à lui parce qu'il les a toujours avec lui. Après? Et ben, après, il faut que chose... En fait, après, si vous faites rien, ça marche. Il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Mais vous, vous dites quelque chose? Qu'est-ce que vous lui dites? Vous parlez? Oui, je lui parle un petit peu. Je lui dis qu'il peut garder les yeux ouverts ou fermés. Il peut penser à quelque chose. Mais alors, il est hypnotisé par quoi? C'est parce que cette fixation de l'attention et autre chose. Monsieur Jouta, définissons l'hypnose très simplement. L'hypnose, merci, c'est Gérard. La suggestion. Non. C'est-à-dire, c'est l'effet de la parole sur l'autre. C'est ça l'hypnose. Moi, c'est pas le magnétisme, c'est pas le pouvoir de je ne sais quelle puissance, c'est simplement le pouvoir des mots. Mais c'est pas du tout ce que j'ai compris. Alors ça c'était vrai il y a un siècle. Oui, ça, pour moi, l'hypnose, c'est scinder deux choses.
le concret, tout de suite, là maintenant, si je me fixe sur mes mains, par exemple, ou sur ce projecteur, ou sur ce meuble... Non, mais toi, tu te fixes sur complètement... tes mains, tu dis, j'ai besoin d'une manucure, alors. Non, non, mais je te jure, c'est ça, normalement. C'est, tu te focalises sur un truc, donc ton esprit est complètement absorbé voilà, par ça. Et tout d'un coup, tu as une autre partie de ton esprit qui part ailleurs. Voilà. Et c'est cette partie-là, ton inconscient, je suppose... En fait, on lâche prise un peu par rapport à l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus? Eh bien, il faut ou de la surprise... ou de la confusion, ou de l'humour. Annie Lemoine, vous y croyez ? Mais oui, j'y crois, mais je suis un peu déçue, parce que quand je vous rencontre, moi, j'imaginais un type avec des yeux perçants qui allait absolument m'hypnotiser. Une voix, d'ailleurs Gérard l'a un peu, cette voix-là, vous savez, une voix un peu grainée qui vous entraîne dans une spirale. Non, mais je veux dire par là, vous n'êtes tellement pas l'hypnotiseur que j'imaginais rencontrer. Ah, si moi, il pourrait m'endormir, hein, croyez-moi. Marie. J'ai eu une expérience d'hypnose qui a été horrible. Parce que justement, je pensais que l'hypnose, c'était en effet dormir, perdre toute conscience, et qu'au bout de 10 minutes, on vous dise, bon, alors voilà, tu as fait ça, tu as mis la culotte sur la tête, tu as dansé toute nue, ça, etc. Ça, c'est à la télévision. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le type, j'arrêtais pas de lui dire, ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, en effet, je montais mon bras comme ça en lui disant, ça ne marche pas. Et est-ce que vous allez me dire si c'est possible ou pas? Le type ne m'a pas réveillée. Il a oublié de faire. Il s'est dit. Le type est parti et moi je me suis sentie mal pendant une journée entière. J'étais chmeux, j'étais blurk. J'étais vraiment. Gérard est en train de bouillir d'impatience. Parce que. L'hypnose existe absolument. Il n'y a rien de plus facile que d'hypnotiser quelqu'un, de produire des effets. Vous l'avez déjà vu, Laurent, dans des soirées. En quelques instants, je peux faire lever le bras de quelqu'un, je peux lui donner la sensation de voler, je peux lui donner... Bon, c'est très simple à faire. Et ça n'est pas magique. Ce qui m'ennuie dans ce que vous dites, c'est que les gens vont avoir l'impression ou qu'ils vont y croire ou qu'ils ne vont pas y croire. Mais ça existe, l'hypnose. Ça hypnotise, c'est simplement les effets que vous pouvez provoquer sur quelqu'un, y compris, c'est vrai, l'atténuation de la douleur, les effets que vous pouvez provoquer sur quelqu'un simplement en lui parlant. Il n'y a pas besoin de l'endormir, il n'y a pas besoin de le toucher. C'est le pouvoir des mots. Vous voyez bien que quand je vous raconte une histoire, ou quand Belmar raconte une histoire, on la voit déjà l'histoire, on est presque dedans. Et bien, dans l'hypnose, on se sert de cette technique-là. Mais encore plus simple, tu dis à un gosse, tu ne touches pas à ça, il va courir pour le toucher, donc c'est... Ça, je n'ai pas rien à voir. Si, complètement. Non, mais c'est qu'il est mal élevé, super mal élevé. Mais là, non, voilà, suggestion indirecte. Vous appelez ça dans votre livre, n'est-ce pas? Elle consiste à évoquer quelque chose tout en déclarant ne pas le faire. Par exemple, je dirais, ne vous détendez pas. Bon. Voilà. Et bien, il te dit ça, tu finis par te détendre, à moins que tu lui foutes sur la gueule. Ce qui me fait peur, c'est les contre-indications. Ce que disait Gérard, c'est-à-dire qu'on se met dans un état et il y a peut-être un passé traumatique ou des contre-indications. Alors, est-ce que vous... Voilà, tout à fait. Alors, parlons de choses sérieuses. Ça fout les boules. Nous sommes des thérapeutes, si des médecins. Donc on ne fait jamais de l'hypnose sans savoir qui on a en face de soi. Donc il y a ce qu'on appelle une anamnèse. Le patient, il a une histoire, sa maladie, sa souffrance. Il a une histoire familiale, une histoire personnelle. On ne fait jamais d'hypnose. Est-ce qu'on peut être sûr à 100% de connaître vraiment le patient? Jamais. Mais non. Jamais. Heureusement. Attendez, on me donne un pouvoir incroyable. Et pour la sexualité? C'est-à-dire? Ah, je sais pas, j'ai lu l'autre jour un papier. Moi, je fais l'amour sans hypnose. Ah non, je parlais pas de ça. Ah, pardon. Mais pour, par exemple, je ne sais pas moi, détendre les chakras, des trucs comme ça, non? Oh, détendre les chakras. Mais oui, je t'assure, moi j'ai rencontré une femme un jour. Mais chérie, détends les chakras, à faire l'amour. De la nouvelle hypnose à l'hypnose psychodynamique, initiation et pratique, c'est aux éditions d'Esclée de Brouwer, La Méridienne. Vous aviez déjà écrit Hypnose sur ordonnance, docteur Charles Jousselin. Oui. Et puis si on veut parler d'hypnose, j'ai monté ce qu'on appelle un hypnocafé. Le premier mercredi de chaque mois à Paris, on pourra, si vous voulez, discuter autour d'un café. Ah oui, un peu comme les psychocafés, les philocafés. Voilà. Bon, très bien, on va faire de l'hypnose au café. Voilà, et du café à l'hypnose. Pourquoi pas. Docteur Charles Jousselin, merci. Merci beaucoup. Du sport maintenant avec nos derniers invités, c'est vrai bien nos dernières invitées, puisque dimanche dernier, l'équipe féminine de volley de Cannes, le RC Cannes, a réussi un doublé historique en emportant pour la deuxième année consécutive la Ligue des champions dames, évidemment, face aux Russes de... j'arriverai jamais à dire ce nom-là. Ekaterinbourg. Voilà, vous y êtes allé, vous. C'est le seul club français, Cannes, à avoir gagné deux fois la plus prestigieuse Coupe d'Europe. Même les hommes n'ont jamais fait aussi bien. Alors, pour tester ensemble le RC Cannes, accueillons tout de suite quatre joueuses de cette équipe victorieuse. Victoria Rava, Karine Salina, Srika Lehtonen et Katerina Bukova.
Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Je vais me mettre à côté. Bien sûr. Allez, Maureen. Si tu veux la honte, faisons le test. Maureen, même à mon avis, même debout, t'es plus petite qu'elle assise. Oui, oui, je crois. Elle est donc assise. Mais tu es debout. Et toi, tu es sur un pouf. C'est énorme. Et moi aussi, je suis debout, là. Non, c'est pas vrai. Vous ne ferez pas de voler tout de suite, vous. Mais moi, je trouve plus facilement un mec, hein. Elles sont très belles, c'est pas ça, mais parce que les hommes en général ils aiment bien les petites parce qu'ils vont se croire qu'ils sont pas du tout. Mais c'est pas du tout, ça c'est une légende. Pas du tout. Ah non, non seulement parce qu'elle pourrait être grande et pas très jolie, mais vous êtes grande et canon en plus. Hein. Merci. Mais comment on vous sélectionne à Cannes? Il y a un casting, c'est presque. Franchement, c'est assez incroyable, Gérard. C'est là où je vois que je préfère ce sport au football. Alors, déjà l'année dernière, c'était un exploit. C'était la première fois qu'un club, qu'une équipe féminine remportait un titre de champion, championne, je devrais dire, d'Europe. Hein, on est bien d'accord. Et vous avez renouvelé l'exploit deux années de suite. C'est-à-dire que là, le week-end dernier, contre les Allemandes, en finale, eh bien, vous avez remporté une deuxième fois ce titre de championne d'Europe. C'était contre les Russes, mais c'est pas grave. J'ai dit les Allemandes contre les Russes, oui, pardon. Oh, zut. Et ça se passait en Pologne. Tout à fait. Je vais y arriver. Et Pila, c'est en Pologne? Tout à fait. Il paraît, j'ai lu dans la presse, que vous avez restaurant qui s'est transformé en discothèque. Il y a même des mecs qui ont fini sans pantalon, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Ah ouais, comment ça se fait que vous savez tout? Parce que j'y étais, justement. J'aimerais bien récupérer mon pantalon, s'il vous plaît. Alors vous, Victoria, vous êtes la capitaine de l'équipe. Ouais. C'est bien ça. À quel poste? Moi, je ne connais pas grand-chose au volley. Je suis centrale. Centrale, ouais. Parfait. Vous faites partie du club depuis 1995. Elle a 28 ans. Elle mesure 1m89. Vous êtes d'origine géorgienne. Tout à fait. Est-ce que ça aide pour être super bonne au volley? Non. Non? Non, pas forcément. Je pense qu'on a un petit peu toutes les nationalités dans l'équipe. Il y a une Finlandaise, il y a deux Tchèques. Non, il n'y a pas de règles. On sait que dans les clubs de football, par exemple, moi, c'est le foot, hein, excusez-moi, mais on sait qu'il n'y a pas le droit d'avoir plus de joueurs, tant de joueurs étrangers par club. Au volleyball, on s'en fout. Si, on n'a pas le droit d'avoir plus que deux étrangères, mais tout ce qui est parti d'Europe, on peut avoir autant qu'on veut. Ah, très bien. Mais vous avez la nationalité française ou pas? Oui, il y a quelques mois. Vous avez vos papiers, là? Oui, je m'en passe. Et Victoria Rawa a été désignée meilleure joueuse du tournoi. C'est une fierté supplémentaire. Ouais. Bien sûr. Bon. À côté de vous, Karine Salinas. Alors, vous êtes passeuse. Passeuse. Moi, je distribue et après, les autres, elles se débrouillent. Oui. Parfait. C'est très intelligent comme rôle. Alors, derrière, nous avons Rika Lehtonen. Oui. Voilà, c'est vous, Rika. Alors, vous, trois fois championne de France, deux fois vainqueur de la Coupe de France. Ah, c'est vous, la Finlandaise, alors. Oui. Ah, parfait. Vous tellement de nationalités, on s'y perd. Mais non, mais dis la blonde, la brune et la rouge, comme ça, c'est bon, on verra. Tu vois. C'est pas le club de Cannes, c'est l'auberge espagnole, votre truc. Hein. Alors, Katrina Bukova. Ça, c'est vous. Butskova. Comment vous dites? Butskova. Katerina Butskova. OK, d'accord. Vous êtes tchèque. Oui. Vous avez 24 ans. C'est vous la plus grande, non? Non. C'est quoi, 1m90? C'est 1m90. Plus cette année, je crois. 93, je crois, chez elle. C'est où le club le plus important, le plus fort, le plus... À Cannes. À Cannes, voilà. C'est pour ça qu'elles sont là. Vous avez un petit cri de guerre avant ou pas? Vous avez... Oui. Alors attendez, parce que vous avez été volleyeur. Oui, 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 mais j'ai joué en National 3, ouais. En National 3, c'est pas mal, Orléans. À Orléans. Est-ce que la taille est vraiment très importante dans ce sport? C'est un avantage. Bien sûr, c'est un grand avantage, mais ce n'est pas le plus important. C'est vrai qu'il y a aussi les niveaux de technique qui comptent énormément. On avait des joueuses qui n'étaient pas très grandes, mais qui ont arrivé quand même de jouer. Si tu prends, par exemple, le ping-pong, le filet est beaucoup plus bas au ping-pong, tu vois, et là, c'est moins important. C'est pour ça que les Chinois sont très bons. Vous avez un entraîneur chinois, d'ailleurs. Mais c'est dingue ce club, parce que c'est un entraîneur chinois qui entraîne des Françaises, des Finlandaises, des Tchèques. Mais il y a un traducteur dans l'équipe, comment ça se passe? Regarde, elle parle bien français. Non, pas vraiment, mais on n'a pas besoin. Je pense que tout le monde se débrouille très bien en français. Non, c'est vrai que... Moi, je comprends pas pourquoi, le filet est si haut. C'est comme au basket, pourquoi les paniers sont si hauts? Parce que si c'était moins haut, 10 cm de moins, par exemple, ça permettrait aux gens normaux de jouer. À l'école, moi, quand je jouais au volley, le filet était beaucoup moins haut que ce que vous avez en compétition. Mais moi, j'étais déjà nulle quand le filet était 1m10. Mais toi, tu passais en dessous, toi. Tu passais les balles en dessous, le filet. Arnaud Gidois, puisque vous avez été volleyeur.
Tu peux pas nous amener un ballon de volée, là? Je vois même pas. Quelle taille ça, un ballon de volée, par rapport à un ballon de basketball? C'est plus petit? Beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. Plus léger. Alors, moi, il y a un truc que j'en ai pleuré à l'école. Je savais pas faire. Le service. J'en ai chialé. J'étais en sixième, j'y arrivais pas. Moi, je croyais que j'allais m'exploser à chaque fois. C'est comme ça qu'on doit faire. Il y a très peu de monde qui sert comme ça. C'est plutôt une technique asiatique. Mais vous pouviez essayer. Ah, mais c'est pour ça que moi, si on m'a appris la méthode asiatique. Comment il faut faire alors plutôt? Comme ça, en arrière. Voilà, si on m'avait appris comme ça. Arnaud, venez ici, les filles. Allez, les quatre filles, là, venez avec Arnaud. Faites-nous une petite démo. Allez, une petite démo, on les encourage. Non, mais franchement, ça, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est le toucher. Vas-y, Maureen. Je joue avec les championnes d'Europe, c'est génial. Moi, j'avais pas vu. J'en perds la montre. Bon, bah, c'est bon, ça va. Annie, vous jouez au volley? J'ai beaucoup joué et c'est un déchirement pour moi parce que c'est une passion d'adolescence et j'ai dû arrêter parce que j'étais trop petite. Je mesurais 1m72, j'étais attaquante. Et donc j'ai échoué pour ça, mais j'ai joué 10-15 heures par semaine pendant 5-6 ans. Mais c'est pas très petit hein, quand même. 1m72, quand on est à l'attaque, on est obligé de passer à la passe. Ouais. Je refusais de passer à la passe, je voulais attaquer. Mais maintenant, il y a un nouveau poste, justement libéraux, et c'est vrai que ça permet aux joueuses qui ont des petites tailles de pouvoir s'exprimer autrement, plus en défense, en réception qu'à l'attaque, mais c'est quand même génial, je trouve. On n'a toujours pas une cri de guerre, quand même. On n'a pas une cri de guerre, alors. Oui, on a une petite cri de guerre, c'est Yunchin. On se le fait, là. En fait, le fait, là. Et Yunchin. Voilà. Victoria, Karine, Rika, Katerina, vous restez avec nous pour la dernière séquence de l'émission qui s'appelle le « Qui a dit quoi ?». C'est parti. Vous aurez 3 secondes d'avance sur mes petits camarades pour essayer de retrouver qui a dit quoi. D'accord? On peut faire pour essayer de gagner notre cri de guerre, parce qu'on ne vous l'a jamais dit, Laurent, mais nous, avant l'émission, comme vous, on a un cri de guerre, donc on le fait. Et... Premier qui a dit quoi? Que je veux une omelette au bacon. Je sais. Attendez. Deux kersozons. Deux kersozons, bravo. Eh ouais, ils n'ont plus rien mangé, ils sont sur les rations de survie là-bas à bord du bateau. Ils devraient arriver aujourd'hui, ils sont peut-être même arrivés, mais évidemment avec la guerre on est un peu moins au courant. Autre, qui a dit quoi? Aujourd'hui, c'est le 7e jour sans évasion. Est-ce que c'est un ancien ministre de l'Intérieur? Non. Un actuel ministre de l'Intérieur? Pas de l'Intérieur, mais un actuel ministre. De la justice. Pas celui de la justice, mais tout proche. Le ministre des évasions, justement? Non, non, bah, presque. Il y a pas ça, presque. C'est de la sécurité. Non, presque. Donnez la photo. Voilà. Ah bah oui. Ah, connais lui, attends. Voilà. Bah écoute, alors franchement, je te laisse le dire. Écoute, on dirait ton fils. Bon, alors c'est monsieur Pierre Bédier, voilà, qui est ministre, secrétaire d'État au programme immobilier de la justice. Et c'est vrai qu'ils sont très immobiles dans la justice en ce moment. Voilà. Bah, c'est quand même drôle, il a de l'humour. Ah non, ils ne sont pas immobiles dans la justice. Oui, ils sont plutôt mobiles. Ah oui. Vous avez raison. Non, mais c'est quand même drôle ce qu'il a dit, parce qu'il est quand même ministre, enfin secrétaire d'État aux prisons, et il dit c'est le 7e jour. Il compte les jours sans évasion. C'est pas mal, bravo pour son humour. Hein. Allez, plus difficile peut-être. J'ai vraiment pensé à m'engager, mais mes amis me trouvaient trop vieux. J'ai donc appelé la Maison-Blanche, parlé avec le président Bush et je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour mon pays. Oh là, c'est quelqu'un de connu. Pardon ? Bruce Willis. Bravo, c'est Bruce Willis, exact. On est compte, il est totalement obsédé par ses films. Il était prêt à aller en Irak faire la guerre, Bruce Willis. Il a perdu un spectateur, moi j'ai appelé voir ses films. Vous y alliez? Non. Bon, en tout cas, on était ravis de vous recevoir. On est fiers d'avoir une équipe, un club français, Cannes, qui a remporté pour une deuxième année consécutive un titre de champion d'Europe, championne d'Europe même, je devrais dire. Bravo à toute l'équipe de Cannes. Merci à vous quatre. Merci. À demain à 18h50. Bye bye.